Ce que demande simplement l'administration, c'est que cette chasse sur les différents territoires de chasse puisse se faire en même temps. Donc tous les chasseurs sont contraints de chasser sur ce territoire-là entre 8h30 et 11h à l'appel de l'administration, donc via un arrêté préfectoral qui définit cette battue qu'on appelle une battue concertée. C'est un événement tout à fait exceptionnel, d'une part par l'ampleur de la coupure de l'axe et les conséquences d'ailleurs sur les usagers, mais également l'ampleur sur le nombre de chasseurs requis, puisqu'on est à près de 150 chasseurs requis pour cette opération-là, ce qui est tout à fait exceptionnel. Une mise en sécurité maximale pour surtout les usagers de la route, d'abord en premier lieu. Je rappelle que le dispositif de sécurité mobilise une douzaine d'agents de la DIR Est et environ 25-26 CRS pour sécuriser donc les accès aux axes routiers et guider les usagers qui emprunteraient les déviations sur leur itinéraire. Également un dispositif de prévention sur la fréquentation de l'ensemble de cette zone qui est donc comprise entre la Max et au concours par des promeneurs, par des VTTistes, par des usagers de la route aussi sur les voies parallèles, sur les voies annexes. Donc par le biais et grâce à la collaboration des mairies qui vont donc afficher et barriérer les différents accès pour éviter un minimum de présence sur pour avoir un minimum de présence sur le secteur concerné. La route Charles le Téméraire est interdite, donc on aura une patrouille de deux motards de la gendarmerie qui sillonneront donc cet axe-là pour s'assurer qu'il n'y a personne sur l'axe. Et toujours pareil, des barriérages d'informations. La difficulté, c'est que l'axe Charles le Téméraire a de très nombreux accès et que donc il est matériellement impossible de verrouiller complètement et de rendre complètement étanche l'accès à cette zone-là, d'où le dispositif de patrouille et d'affichage. Les automobilistes, alors les conseils, ils seront diffusés par ce qu'on appelle les panneaux à messages variables. Donc tous les automobilistes qui viennent du sud seront invités à prendre la RN 431, donc la déviation de Metz, puis rejoindront la 4 au nord. Et idem sur les automobilistes qui viennent du nord, donc de Thionville, dès la croix de Haut-Concours, seront invités à dévier sur la A4, puis sur la 431, pour contourner complètement l'agglomération messine. La priorité, c'est quand même l'absence de circulation sur le tronçon concerné. Voilà. Donc, inévitablement, on a une répercussion du trafic sur les voies annexes. Mais je rappelle que nous avons fait cette opération à un moment où le trafic était minimal. Le deuxième dimanche de janvier est traditionnellement un dimanche où il y a peu de circulation puisqu'on est hors des périodes scolaires, à la fois en France et dans les pays voisins, puisque la 31 est quand même un axe européen nord-sud. Et donc aujourd'hui, les statistiques montrent qu'on a environ 500 véhicules heure sur le créneau 8h-9h et 1000-1500 véhicules heure sur le créneau 9h-11h, ce qui est un niveau de trafic très bas et ce qui permet donc de limiter au maximum l'impact sur la circulation.